Salut, c'est Martouf. C'est parti pour un nouvel épisode de Histoire de la monnaie. Nous avons déjà vu toute l'histoire depuis ces 5000 dernières années. Dans cet épisode, nous allons introduire les crypto-monnaies. Depuis la crise des subprimes et la crise financière de 2008, on voit émerger plein de nouvelles alternatives, des crypto-monnaies qui prennent de plus en plus de place et qui font peur aux banques. Donc on va revenir un peu sur ce concept et déjà je vais l'inscrire dans le contexte historique en remontant dans le temps. Donc nous avons déjà vu dans les épisodes précédents que le système naturel qui émerge en premier dans le jeu de la monnaie, c'est aussi ce qu'on vérifie, et c'est ce que les anthropologues nous le confirment, c'est le don dans une communauté de confiance. C'est comme dans une famille, on prête, on donne à ses frangins, sa mère, ses enfants, et avec ça on vit dans la pleine confiance. Et c'est la même chose avec ses amis, quand on va boire une bière, on leur offre la tournée. Mais qu'est-ce qui se passe? Celui qui paye jamais de tournée, on l'exclut de la communauté. La confiance, c'est fragile et c'est central dans les histoires monétaires ou de systèmes économiques. Donc, la confiance, quand on a une communauté qui grandit, qui grandit, qui grandit, comment garantir que ça marche toujours? Eh bien, on a appel à quelque chose de plus fiable que la mémoire ou à la non-répudiation aussi. C'est un contrat que l'on ne peut pas dire oh, je ne l'ai pas fait, j'étais pas au courant. Je t'ai jamais donné ça, ou tu me l'as jamais donné, mais là tu dis à plus rien. Donc c'est la monnaie scripturale qui arrive. Oui, c'est très très vieux, la monnaie scripturale. Alors c'est les Sumériens, en moins 3300, qui utilisent déjà les tablettes d'argile pour noter. Ou c'est les bâtons de comptage, on met des encoches, et puis chacun garde une partie. Dur de falsifier un bâton. Et puis finalement, cette monnaie scripturale, c'est un moyen fiable, qui a fonctionné pendant des millénaires. Ce que les économistes ne nous disent pas dans la plupart des bouquins d'économie, on le dit tout commence avec le troc. Eh bien, je vous invite à jouer au jeu de la monnaie pour vérifier si le troc a déjà existé. Les anthropologues cherchent toujours la civilisation où le troc a fait système. On ne l'a pas trouvé. Et dans le jeu de la monnaie, je crois que la plupart se sont dit que ça devait être une fable, quelque chose d'inventé pour nous expliquer que la monnaie, c'est pas bien avec des dettes et qu'il faut avoir des jetons valeurs. Donc tous ces pans de l'histoire, 2700 ans, ont été effacés. Alors qu'en fait, ça marchait très bien. Et ceci au profit de quelques chefs de gang qui se sont organisés pour créer une innovation technologique. Donc je parle bien ici de la pièce de monnaie. Ici, j'ai une pièce de 2 euros. Les premières pièces de monnaie sont apparues simultanément en Inde, en Chine et dans la civilisation grecque, en Lydie. Par exemple, un des premiers rois à utiliser cette technique, c'était le roi Crésus, qui allait chercher des petits cailloux bien dorés, et c'est en fait des alliages de Electrum, comme le nom du client Bitcoin, Electrum. Ça vient de là le nom, des alliages de or et argent qui se font naturellement dans les petites pépites qui étaient dans le fleuve Pactole. Donc Crésus va chercher son pactole dans le fleuve et à partir de ça, il va frapper des pièces de monnaie à son effigie, le payeur en dernier recours qui se trouve sur la face des pièces de monnaie. Et là, c'est très intéressant parce que c'est une innovation technique de chefs de gang qui vivaient en faisant des razzias chez les paysans. Ces razzias, ben, forcément, ça tue les paysans, ce qui n'est pas très pratique quand on veut vivre sur leur dos. Donc, pour stabiliser ce système, pour le rendre plus efficace, ils ont inventé la monnaie. Au lieu de faire une razzia et de tuer le paysan, on achète sa récolte. Mais évidemment que le paysan, il va dire, ton machin là, ça se mange pas, alors que ma récolte, ça se mange. Donc, je ne suis pas d'accord de te vendre ça. Eh bien, on l'oblige en l'imposant l'utilisation de cette monnaie grâce à l'impôt. Comme son nom l'indique, l'impôt sert à imposer la monnaie. Même si plus tard, on en a fait quelque chose pour payer des infrastructures communes pour redistribuer à la population, enfin un peu dans le social. Donc là, ce qui est clair, c'est que l'impôt sert à imposer la monnaie, créer un marché. Et on verra que c'est très important aussi pour la suite. Donc créer un marché, ça sert également à équiper au mieux son armée. On paye ses soldats avec quelque chose où la confiance est concentrée dedans, alors qu'auparavant, il fallait un réseau social dans lequel il y avait des dettes de la monnaie scripturale. Mais quand on est un soldat et qu'on n'a pas d'amis parce qu'on tue tout le monde, c'est dur d'être inscrit dans un réseau social. Alors que avec des petits jetons, on peut les payer. Et d'ailleurs, le mot soldat vient du fait qu'on lui paye une solde.
La caractéristique principale du soldat, c'est que c'est un salarié qui reçoit une solde. D'ailleurs, le mot salarié, ça vient aussi de sel, qui était une manière parfois dans l'armée romaine de payer des soldats. On les payait avec du sel. Donc tous ces mots sont intimement liés à tout ça, et on voit que c'est un système d'une grosse machinerie très très bien conçue, avec de nombreux traités, comme le traité du fer et du sel en Chine, qui explique ça il y a des milliers d'années, comment faire pour mettre en place un système dans lequel son armée va devenir la meilleure du monde grâce au fait qu'on va obliger les paysans à créer un marché en l'achetant avec des pièces de monnaie, en récupérant ces pièces avec l'impôt. Quand Jésus dit rendez à César ce qui lui appartient, c'était bien une question à propos de l'impôt. Et rendez à César ce qui lui appartient, c'est bien sa pièce de monnaie qui est venue, il a acheté quelque chose et est reparti. C'est une manière de colonisation. Les Romains ont colonisé comme ça beaucoup, mais ce n'étaient pas les premiers. Les premiers, il y a par exemple Alexandre le Grand, son père Philippe II de Macédoine, apparaît sur les premières pièces de monnaie qu'on trouve en Suisse. C'est comme ça. Je ne sais pas s'ils avaient vu des pièces, puis ils se sont dit, ah aussi, nous on trouve de l'or, on le frappe, et on met le même dessin. Et du coup, c'est ce système d'imposer la monnaie, créer un marché. C'est le seigneur qui en récupère son seigneuriage. Et le seigneuriage permet de payer des gens et de, à partir de quelque chose qui n'a pratiquement rien coûté, avoir à disposition tout ce qu'il faut pour renforcer son armée, renforcer son pouvoir sur les paysans en leur imposant cet impôt, et coloniser le monde en faisant pareil ailleurs, en allant acheter à tous les paysans des pays aux environs avec cette monnaie et en leur obligeant de payer l'impôt. Et avec ça, ça fait que des empires qui grandissent. À cette période, on a vu plein d'empires qui grandissent. Et ça n'a rien à voir avec le commerce, ça a juste à voir avec un outil de pouvoir. Les Phéniciens qui faisaient du commerce depuis bien longtemps ont été complètement réduits à néant parce qu'ils utilisaient des ardoises dans chaque port, un système de monnaie dette. Comme on peut avoir des ardoises chez le laitier, chez le boulanger. Je te prends deux pains, je te laisse sur mon ardoise, je viendrai payer plus tard. Voilà. Les Phéniciens ont toujours fait comme ça, c'est comme ça que ça s'est fait pendant la moitié de l'histoire de la monnaie. Là, nous sommes à un moment charnière, ça fait 2700 ans que les pièces de monnaie existent, et ça fait 2700 ans pendant lesquels des systèmes de crédit, monnaie scripturale de type sumérien ont existé. Et peut-être que maintenant on va inventer quelque chose de nouveau? On verra. Donc après, ce sont, à force de créer un marché, il y a des marchands qui sont devenus très puissants, beaucoup plus que les rois. Beaucoup plus que tous les gens qui auparavant enfin, dominaient le monde. Et donc, à force de se taper dessus, ils sont devenus faibles et les puissants du moment sont devenus les marchands. Et ils ont créé, ils se sont associés, ils ont créé les banques centrales grâce aux papiers valeurs, grâce aux billets de banque. Ils ont permis à faire un prêt au roi pour la guerre, c'est toujours comme ça. Et à partir de cette dette, elle a été titritisée, on l'a découpée en petits morceaux, on a fait plein de billets. Et on peut échanger des reconnaissances de dette, où finalement c'est garanti par le roi. On sait qu'un roi est riche, malgré tout, il peut toujours lever un impôt. Et à partir de ça, cette titritisation a permis de faire un second pouvoir qui est la Banque centrale. Ça s'est bien développé au fil de 300 ans, la dernière en date, la Banque centrale européenne. Et toutes ces monnaies banques centrales sont là et elles ont envahi le monde en le contrôlant. Mais elles se sont fait devancer encore une fois par les banques commerciales. Les banques commerciales sont censées être soumises avec le système de réserve fractionnaire parce qu'elles doivent avoir, elles émettent des crédits et une partie de ces crédits doivent être dans la monnaie qu'elles ne maîtrisent pas à la banque centrale. Parce que oui, une banque commerciale, c'est elle qui crée majoritairement les moyens de paiement qu'on utilise de nos jours. Et ceci, tout simplement en faisant des crédits bancaires ou en achetant avec leur propre reconnaissance de dette. Car oui, ce qu'on a en monnaie scripturale, c'est qu'une reconnaissance de dette de la banque que vous lui avez donné quelque chose en dépôt. C'est un engagement de la banque envers la personne qui fait le dépôt, envers toi, par exemple. Donc on échange des reconnaissances de dette comme ça, et puis finalement, ben, c'est devenu très gros, mais toujours en ayant l'aval de l'État, l'aval des banques centrales qui tentent de maîtriser un petit peu à chaque fois. Et voilà que débarque la crise financière de 2008. Crise des subprimes, qui se contagionne à la bulle financière, qui contagionne à des banques qui font faillite comme Lehman Brothers. Et en 2008, c'est la faillite globale du système. On s'est dit que voilà, il faut recapitaliser de nombreuses banques, des banques too big to fail. Elles sont tellement grandes que, par exemple, UBS et Crédit Suisse ont fait faillite en 2008 en Suisse.
Elle représente 40% de la monnaie suisse, des moyens de paiement qui sont utilisés, les francs UBS et les francs Crédit Suisse. D'ailleurs, Crédit Suisse, on l'a appris que quelques années plus tard, qu'elle avait fait faillite parce qu'ils l'ont caché. Ils se sont fait un crédit à eux-mêmes de 10 milliards pour se sauver par l'intermédiaire du Qatar. Donc c'est très intéressant aussi de voir ça. C'est tout à fait interdit, mais ça a été fait parce que là, il fallait sauver le système. Alors quand ce système est tout à fait instable, il y a plein de gens qui se disent, mais attends, on n'avait jamais réalisé tout ça. Et ils vont commencer à inventer des nouveaux systèmes. Alors 2008, crise financière, en automne surtout, et paf qu'en 2009, voilà le Bitcoin qui débarque. Alors tout d'un coup, mais d'où ça tombe? Ben, on ne sait toujours pas. Un certain Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin et on a commencé à l'utiliser. Mais l'intention là derrière, je ne sais pas l'origine, qui est cette personne ou ce groupe de personnes qui se cache derrière ce pseudo, on ne sait toujours pas. Et je trouve ça un peu étrange. Mais si on ne sait toujours pas, ouais, on peut imaginer plein de choses. Et à qui ça profite? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est une expérience très intéressante. Et effectivement, là, on s'affranchit des différents pouvoirs qui vont souvent en cascade. Des fois oui, des fois non. Le fait de ne pas savoir qu'il y a derrière, c'est super intéressant. Et ça permet à ce qu'il n'y ait pas d'ennui. Parce que sinon, on l'aurait dézingué assez rapidement. Donc remettre en cause la puissance des banques centrales, remettre en cause la puissance des États, ça c'est quand même quelque chose. Donc ben, j'espère qu'il va rester tranquille encore un bon moment. Et puis ben là, on voit les crypto-monnaies qui débarquent. Donc qu'est-ce que c'est? Concrètement, en termes de code monétaire, de comment ça fonctionne, c'est très basique. C'est les pièces de monnaie qui existaient déjà, c'est des jetons valeurs, ça existait déjà il y a 2700 ans. Donc rien de nouveau. On crée des jetons. Bitcoin, c'est 21 millions de jetons qui vont être créés, qui sont créés par un algorithme progressivement, petit à petit. Là, on en a déjà une bonne partie qui sont en circulation. Et ensuite, on va arriver aux 21 millions dans quelques années et ce sera fini. Il n'y en aura pas plus. Donc il y a des gens qui disent que c'est une monnaie déflationniste. Après, vu le nombre d'autres crypto-monnaies qui se créent, on n'a pas trop de grands risques, je suppose. Sur CoinMarketCap, il y en a déjà plus de 1500 qui sont référencés, je crois. Il y en a qui sont valables et bonnes, puis il y en a qui sont vraiment de la merde, des trucs qu'il faut vraiment pas avoir, ou alors des arnaques. Et certaines ben, ont peut-être de l'avenir, mais on ne les connaît pas encore. Ici, c'est très intéressant. Comment ça marche? On va peut-être faire un petit détour là. Une crypto-monnaie, c'est finalement un système décentralisé de gestion d'une base de données. Une base de données. J'aime pas dire que c'est totalement décentralisé parce qu'il reste quand même une blockchain. C'est une seule base de données dans laquelle on met toutes les transactions du monde. Ce qui semble un peu bizarre. Est-ce que j'ai besoin de savoir qu'il y a 10 ans à l'autre bout du monde, il y a deux gueulus qui se sont échangés quelques bitcoins pour s'acheter des pizzas? Moi, je m'en fous un peu. Donc, je trouve ça un peu étrange. Je pense que là, il y a une amélioration à faire encore potentielle. Mais actuellement, c'est très intéressant. Parce que cette base de données, elle est gérée de manière décentralisée. Donc il n'y a aucune autorité qui a vraiment le pouvoir dessus. Donc on suppose qu'on a besoin de transactions. Donc les jetons sont faits avec des transactions. Et même quand vous gardez un jeton en porte-monnaie, c'est une demi-transaction qui est faite. Elle est en attente. Elle va bientôt sortir. Donc c'est très intéressant de voir. Que ça doit circuler, qu'il y a quand même une notion de transaction. Et ces transactions doivent être inscrites dans cette grande base de données, ce grand livre. J'aime bien faire une métaphore en disant que c'est un panneau d'affichage au centre du village, et tous les gens qui vont écrire, faire des transactions entre eux, ben, ils doivent avoir la non-répudiation. Ils doivent prouver que oui, je l'ai fait. Et puis les deux parties ne doivent pas être en mesure d'effacer ce tableau. Donc il y a des gens qui vont inscrire sur ce panneau, sur ce tableau d'affichage. Mais là, on a décidé que pas n'importe qui peut inscrire dans ce tableau d'affichage, mais seulement des gens de confiance. Toujours la confiance. Mais qui sont les gens de confiance quand on a un réseau totalement décentralisé? Eh bien là, dans le Bitcoin, on suppose que la majorité des gens vont agir pour le bien du réseau et vont mettre à disposition de la puissance de calcul, de l'énergie en fait, qui est quelque chose de rare dans notre monde physique, pour pouvoir sécuriser le réseau. Donc tout ça fonctionne par des nœuds. Il y en a environ à peu près 10 000 maintenant.
et 10 000 nœuds qui vont à tour de rôle être candidats pour sécuriser le réseau. Ils font des calculs, ils vérifient que les transactions, ben, il n'y en a pas eu des doubles dépenses. Il n'y a pas des gens qui ont dépensé leurs jetons plusieurs fois. Et tout ça, quand c'est validé, on fait un bloc et on l'ajoute à la chaîne de blocs. Donc c'est une base de données en forme de bloc. Et l'accès à cette base de données, qui a le droit d'ajouter son bloc à la chaîne, donc à la base de données, qui a accès à la base de données, eh bien, on suppose que c'est celui qui était le plus rapide à résoudre un petit challenge. On utilise des hashes, donc c'est un système... Je crois que je ne vais pas rentrer dans le détail des hashes, mais c'est un système en fait qui permet avec un résultat de sortir un autre résultat. C'est une fonction à sens unique et on ne peut pas connaître ce qui est entré à partir de la sortie. Mais là, on nous demande de faire une sortie qui commence par un certain nombre de zéros. Donc ça dépend de la complexité. Donc il faut faire des essais. Je rentre quelque chose, je vérifie le résultat. Non, j'ai pas. Et puis j'y vais au hasard. Puis je varie les entrées avec un peu de padding qui est ajouté aux données que j'ai vérifiées. Et puis eh ben, on nous sort toujours un chiffre. Et là, ben, maintenant, on en est à des puissances de calcul gigantesques qui sont nécessaires. Parce qu'on nous demande plein de zéros devant, un truc dont la probabilité est très faible de sortir. Donc il faut faire des fois des dizaines, voire des centaines de milliards d'essais pour arriver au bon résultat. Donc là, il y a une course à la puissance de tous les nœuds qui vont essayer d'être le premier à avoir réussi à résoudre ce problème et à avoir le droit d'inscrire sa version des transactions, son bloc, dans la base de données. Donc ça, c'est intéressant parce que il y a aussi une récompense à le faire. Pourquoi est-ce que je le ferais? Eh bien, c'est comme ça qu'on crée les nouveaux bitcoins qui vont arriver. Les nouveaux bitcoins, ils sont là parce que il y a des gens qui ont fait du mining. Alors mining, ça nous rappelle tout à fait, je vais aller chercher dans une mine d'or de quoi faire des pièces de monnaie. Donc les nouveaux bitcoins, ils arrivent comme ça pour rémunérer les gens qui sécurisent le réseau. Donc ça, c'est très intelligent comme ça a été conçu. Bon, je me demande quand même ce qui va arriver quand le nombre maximum de bitcoins aura été créé. Ça veut dire qu'on ne va plus les rémunérer comme ça? On verra. On n'en est pas encore là. Et ensuite... Eh bien, ce réseau, il va être sécurisé par ces gens, on a l'accès, mais on suppose toujours que la majorité des gens sont gentils et qui sont prêts à mettre de la puissance de calcul à disposition. Celui qui veut tricher dans le réseau, il doit mettre exponentiellement plus de puissance de calcul, et comme là, on est déjà dans des extrêmes, on arrive dans des choses où un ordinateur tout seul normal ne peut pas arriver. Donc il faut vraiment dépenser beaucoup d'énergie, et dépenser tellement d'énergie qu'en fait, ce qu'on en récupère n'est pas assez... lucratif, rémunérateur, donc finalement c'est virtuellement impossible de fausser le réseau de Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Donc ça c'est ce qu'on appelle la preuve par le travail. Ça pose des problèmes parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas très écologique, on bouffe des ressources pour rien. C'est vrai qu'on fait tourner au hasard, on lance un dé et puis il faut avoir sur mes 10 dés, il faut qu'ils soient tous à 5 dessus pour arriver. Alors je les lance 200 milliards de fois pour arriver sur la fois où mes 5 dés sont sur la face 5. Donc c'est vrai que ça ne sert à rien. On pourrait faire des trucs beaucoup plus utiles avec toute cette énergie. Mais c'est un moyen qui est très très fiable pour sécuriser. On n'a pas trouvé encore de meilleurs moyens. Ça commence à émerger, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis ce qui est très intéressant dans cette chaîne de blocs, on appelle ça une blockchain, c'est qu'en fait, il y a une relation temporelle avec les différents blocs. Donc on peut imaginer que c'est comme un livre où chaque page d'un livre de compte, on rajoute en fait une vignette, une photo en plus petit de la page précédente. Donc j'écris ma première page, elle a une racine, et je fais une photo, ce qui fait que je vois en plus petit les choses. Hop. Et puis je vois en plus petit, et puis je vois en plus petit. Et puis je vois un plus petit. Il y a une relation d'ordre. Celui qui veut changer, il ne peut pas s'inscrire au milieu, il ne peut pas faire disparaître un bloc, il ne peut pas en rajouter un, parce qu'il doit tout recalculer, parce que chacune est la photo de la précédente. Donc ça, c'était un moyen génial qui a été inventé pour avoir cette relation entre ces différents blocs et sécuriser totalement le système. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien. Mais c'est la preuve par le travail. Sur Ethereum, par exemple, ça fait quelques années qu'ils disent on va remplacer cette preuve par le travail en preuve par un enjeu. Proof of stake. Mais quel enjeu? L'enjeu, je me mets peut-être de l'argent en jeu et puis j'en récupère plus. C'est peut-être comme un peu un actionnaire qui va retirer un dividende. On peut essayer de faire comme ça. Il y a des gens qui disent que ça doit être les plus riches.
Les plus riches, c'est ceux qui ont le plus à perdre si le réseau se plante. Mais alors du coup, on va dire que c'est les plus riches qui maîtrisent le réseau, ça va pas très bien non plus et c'est pas une solution idéale. On peut aussi tirer au sort, finalement, ça marche, hein. Il y a plusieurs nœuds en concurrence, puis il y en a un qui est désigné en tirant au sort, puis en disant, ben, toi, tu as le droit d'expliquer. Ça, c'est peut-être une solution qui est assez fiable, assez peu énergivore. Donc voilà, ça, c'est un peu les crypto-monnaies. Alors, quand j'ai découvert ça par un copain, en 2011, il n'y avait personne sur ce réseau. Moi, j'ai testé le Bitcoin, j'ai juste rigolo, j'ai fait un peu de mining, j'ai fait un peu de bon, mais j'avais rien à acheter, aucun marché, quoi que ce soit. Ben, assez rapidement, j'ai arrêté. Il n'y avait rien. Alors rétrospectivement, je me dis, t'étais con, tu serais milliardaire si tu avais continué. Mais bon, à l'époque, je ne savais pas et il n'y avait pas de marché. Et c'est là qu'on voit l'importance de l'impôt pour créer le marché. Comment on crée un marché? Le Bitcoin, maintenant, c'est super populaire. Il y a des milliardaires en Bitcoin, il y a des millionnaires. Mais en fait, il n'y a toujours pas de marché. C'est toujours difficile d'acheter des trucs. Il y a beaucoup plus pratique. Ces pièces-là qui existent depuis longtemps, elles sont toujours plus pratiques que le Bitcoin. Le Bitcoin a plein d'avantages sur le réseau bancaire. Des fois, on se demande ce qu'ils font tellement c'est lent pour pouvoir faire un truc qui semble super simple. Donc, le Bitcoin de fait en 10 minutes ce qu'il faut. Ou un Litecoin, c'est peut-être encore plus rapide. Mais c'est bizarre. Y a pas. C'est une monnaie qui n'a pas de marché. Donc je me demande à quoi elle va servir. Pour l'instant, elle sert surtout à la spéculation. En fait, en 2011, il n'y avait personne qui faisait des échanges avec d'autres monnaies. Et du coup, j'avais rapidement arrêté. Et plus tard, c'est arrivé. Il y avait Mongox qui était arrivé. Et tout d'un coup, c'était génial. On pouvait faire du change entre du Bitcoin et du dollar. Et ça, tout d'un coup, ça a greffé le Bitcoin sur le dollar. Ça lui a donné un cours. Et là, la spéculation a commencé à venir. Et maintenant, ben voilà, on peut faire du trading en Bitcoin. Et même les grosses banques de trading se mettent à faire des ETF en Bitcoin. Et des trucs, des montages financiers incroyables pour pouvoir fluidifier, pour pouvoir les intégrer dans leurs habitudes. Mais c'est devenu une valeur spéculative. Un truc qui valait strictement rien, qui tout d'un coup vaut quelque chose. Alors moi, je me pose des questions. Ce serait quand même bien que ce soit un moyen de paiement un peu pratique. Donc Bitcoin, c'est peut-être pas celui qui va décoller là-dedans, il y en a d'autres qui peuvent réussir. Et puis après, ben, Bitcoin, c'est qu'une monnaie, tandis que il y a dedans en fait tout un mécanisme de contrat qui permet de dire ben, ce que tu peux faire. Alors dans le Bitcoin, ça a été explicitement un code très simple qui ne peut rien faire. Ce n'est pas un code de Turing complet, comme on le dit. Il est très limité. Alors que certains, comme dans Ethereum, ont fait quelque chose qui soit un code complet, qui permet de faire tout type de code informatique, et donc ce qui ouvre toutes les possibilités à faire énormément d'autres choses qu'une monnaie. Donc c'est aussi un moyen de faire une base de données qui est décentralisée dans sa gestion et qui pourrait remplacer tous les notaires par exemple, parce qu'un notaire ne sert qu'à rentrer une information dans une base de données. Donc tout ça, ça a énormément de potentiel au-delà des questions monétaires, même si moi ici, là, je me concentre sur les questions monétaires. Donc vers quoi on va aller? Qu'est-ce que les cryptos vont nous apporter? Est-ce que c'est une bulle? Il y a plein de gens qui disent que ça va retomber comme la bulle d'Internet, comme les bulles. Moi, ça me fait penser un peu à ces bulles du moment où on partait à la conquête du Nouveau Monde, la Compagnie des Indes, la Compagnie des Indes du Sud, de l'Est, de l'Ouest, des mers du Sud, des mers du Nord. Et il y a des gens qui achetaient des actions là-dedans et puis qui envoyaient des gens dans le nouvel Eldorado. Après, ils allaient rapporter des épices, de l'or et tout, et ça pourrait faire quelque chose d'intéressant. Donc, peut-être qu'on est un peu dans cette vague. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui investissent dans plein de styles de crypto-monnaies qui font des ICO partout, on ne sait pas trop où ça va. Peut-être que c'est vraiment une bulle, mais je me dis que dans un autre sens, c'est une bulle qui a les moyens de ses ambitions. Ces jetons valeurs, il n'y a pas de dette derrière. Ils sont créés à partir de nulle part et ils fonctionnent. Et on arrive à faire quelque chose de concret qui a sa propre valeur. Elle n'est peut-être pas autant miraculeuse que certaines, quand il y en aura beaucoup moins. Et là, on est quand même à la base de quelque chose qui est assez nouveau. Et je pense que c'est intéressant, même si ça n'est pas parfait. Moi, j'aime bien aussi, on devrait résoudre ce problème de problème écologique, de course à l'énergie. Je pense que les hash graphs sont aussi quelque chose qui est intéressant. Parce que pourquoi avoir besoin de connaître la transaction qui s'est faite il y a 10 ans entre deux personnes dont je n'ai strictement rien à faire à l'autre bout du monde? Je pense que cette blockchain, moi je faisais 20 mégas la première fois que j'ai téléchargé la blockchain du Bitcoin, 20 mégas. J'ai fait ça super rapidement.
J'ai recommencé en 2013, là j'avais déjà 18 gigas. Ça m'a pris un moment de la télécharger. Puis ensuite, c'était des ressources, mon ordinateur ne suivait plus, j'ai dû arrêter. Et après, je suis obligé de passer par d'autres plateformes, et puis on décentralise et on recentralise de plus en plus. Donc ce système décentralisé ne l'est pas tant que ça. Je trouvais qu'on pourrait faire un vrai système décentralisé avec un hashgraph, avec des témoins qui observent qu'une transaction est arrivée entre deux personnes. Tout d'un coup, il y a des témoins qui viennent par-ci par-là, peut-être tirés au sort ailleurs, toc toc toc. On augmente la confiance, mais on n'est pas obligé de garder l'ancien. Il y a une sorte d'oubli qui se fait. Un peu comme dans la monnaie fondante, il y a un truc qui disparaît gentiment. On n'a pas besoin de garder en mémoire. La comptabilité, c'est une dizaine d'années, après on jette. Donc voilà, le Bitcoin aura bientôt 10 ans. On va jeter le début, peut-être, on verra. Parce que là, je ne sais plus à combien il en est, mais on en est à quelques 100, 150, 160 gigas de blockchain, les transactions, les premières, moi je m'en fous. Donc voilà, c'est des questions. Peut-être qu'on peut faire évoluer tout ce système vers quelque chose qui sera beaucoup plus léger. Qu'on puisse le remettre dans un smartphone l'entier et d'avoir chacun son client décentralisé. Donc il y a beaucoup de choses. Je regarde encore mon petit carnet pour savoir si j'ai pas oublié de dire des trucs. Non, je crois que c'est pas mal. C'est ce que je voulais dire. Donc gentiment, on verra ce que ça devient et vers où on va. De quoi l'avenir sera fait. Peut-être qu'en cas d'effondrement des anciennes institutions, ce sera la monnaie du futur. Mais il ne faut pas oublier que ça tourne sur l'électricité, et d'autant plus avec une preuve par le travail. Donc si tout s'effondre, il n'y aura peut-être plus moyen d'acheter de l'électricité. Et quand on a son pouvoir d'achat qui est aussi lié au fait que je reconvertis dans une monnaie légale, c'est quand même pas terrible. Mais maintenant on connaît les mécanismes et on pourra peut-être développer quelque chose d'intéressant à partir de ça. Donc on va voir aussi quelques blockchains qui existent, notamment dans l'implémentation de la théorie relative de la monnaie. Il y a la G1, la G1, la June, comme on pourrait dire, qui est basée sur une sorte de blockchain, mais qui ne fait pas la course à la puissance et qui n'a aucune raison d'aller dans la spéculation. C'est une version, je vous présenterai bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt !